amis. Salut à tous. On espère que vous allez bien et puis aujourd'hui, bah, comme vous voyez, on se retrouve encore ailleurs. Ouais, on se retrouve en extérieur pour tester Riptide GP2. Ouais, donc, je lance tout de suite, je vais dans la carrière. On fait la carrière, ouais, enchaîne sur les carrières. Donc ouais, alors pour tout vous expliquer, on devait tourner aussi cette émission à la base dans le bateau. Hein, parce que vous voyez, c'est un jeu de scooter de mer et ça aurait été plutôt approprié. Ça aurait été plus adéquat dans le bateau, c'est vrai. Mais le truc, c'est qu'on a tourné et on a eu un petit souci, comme je l'avais mis sur la précédente vidéo, celle de la cave à jeu. On a eu un petit souci technique au niveau de la capture du gameplay, donc on est obligé de la retourner. Alors on s'est dit, on va la tourner en extérieur. Et puis on est dans un cadre assez sympathique quand même. Je pense c'est plutôt, sympa, c'est plutôt joli. Donc on s'attaque à Riptide, GTP2. GTP2, alors on a un beau contre-jour quand même, nous, sur l'écran. Un beau contre-jour, hein. C'est pas grave, ça va le faire. Ah, ça Youhou passe quand même. Le petit saut qui tue. Donc un petit jeu de scooter des mers qui est sorti cette année, il est sorti en 2014. Ouais, alors nous on l'a pris sur Steam, je suppose qu'il est téléchargeable ailleurs aussi. Je pense que oui. Alors sur Steam, pendant les soldes d'été, il était à 5€, 4,99€. Ouais, il est remonté un petit peu maintenant. Et là, il est remonté à 9€, un truc comme ça. Donc il est pas très cher, hein. C'est un petit jeu, il me semble, qui est sorti aussi sur Android et smartphone. Ah ouais, ça, ouais. Je savais pas. Et il est plutôt cool, hein. Il est pas long du tout. Mais sur ce, il a un petit mode carrière qui est, ma foi, fort sympathique. Ouais. Moi je l'ai fini, hein, sur mon PC, je l'ai fini presque, enfin le mode carrière, je l'ai fini à 100%. Et le reste, il y a quelques petits challenges à faire aussi, mais je les ai pas totalement finis. Mais le jeu dans l'ensemble, je le trouve plutôt cool, très très speed. Encore là, je trouve que c'est moins speed que quand on arrive quand on arrive à débloquer les scooters. Ouais, les plus puissants. Fin, hein. Donc ouais, il y a plusieurs, il y a à peu près une dizaine d'engins qu'on peut acheter. Et donc il y en a qui sont plus ou moins rapides. Et chose très importante, c'est qu'on peut upgrader tous les scooters qu'on achète, on peut les upgrader, que ce soit en accélération, vitesse max, boost et aussi maniabilité. Ouais. Donc à la fin, moi j'ai débloqué les plus puissants sur ma session et sincèrement, bon, on pouvait pas ramener parce que c'est sur ma tour, forcément vous vous doutez bien qu'on va pas ramener la tour en extérieur. À la fin, vraiment, le jeu est super speed. On a des figures aussi à débloquer. On peut acheter des figures avec des points de skill. Pour le moment, ouais, on en a débloqué qu'une sur ta partie. Après, moi, j'y joue pas trop. C'est vrai que c'est pas le jeu que j'aime bien, malgré qu'il me fait un petit peu penser entre Wipeout et Star Wars Racer. Pour moi, je trouve que c'est un petit peu entre les deux, mais sans atteindre le niveau de l'un ou de l'autre. Ah, c'est différent, moi ça me fait plus penser à Wipeout comme tu l'as dit, parce que c'est vrai qu'il y a un petit côté très futuriste dans le jeu, mais plus à Wave Racer pour ceux qui connaissent sur Nintendo 64. Ouais, Wave Racer. Ah ouais, à mort, un jeu de scooter des mers, mais qui pour le coup paraissait quand même plus réaliste. Ça paraît beaucoup moins rapide. Wave Racer est moins rapide, mais était plus réaliste dans le sens, là en fait, on a beau... Allez, à je sais pas combien de kilomètres heure, si on se prend un mur, on tombera pas de notre scooter. Ouais. La seule façon de tomber de l'engin, c'est de faire une figure et de la finir trop tard et du coup de retomber sur l'eau avant. Et encore, là, c'est dur de louper sa figure. Hein, et franchement, c'est assez dur de louper sa figure. Et t'as ta barre de boost qui est à fond là et qui clignote depuis tout à l'heure. Et qui dit oublie-moi pas. Fonce. T'as vu, en plus je suis 5e, oulala, c'est pas bien. Ouais, c'est pas terreau 5ème, hein, c'est vrai. 5ème sur 8, c'est pas terreau. Mais bon, si tu te prends les murs comme ça, c'est compréhensible. Ouais, vous avez le droit de la lâcher dans les commentaires. Mais non, vous avez pas le droit, c'est pas vrai. Youhou! Ouh! J'ai fait un petit vol iceberg. De quoi, à la base, t'as voulu faire Titanic? non, c'était pas marrant. À la base, ouais, on voulait le faire sur le bateau parce qu'on s'était dit, voilà quoi, un jeu de scooter des mers sur le bateau et tout, ça aurait été super sympa. Mais petite erreur, donc en fait pour rien vous cacher, le gameplay ça saccadait à mort. Tout a bien pris, même le gameplay il a bien pris, sauf qu'il manquait du son à la fin quand même. Donc là t'as fait une... Alors là t'as fait un tour rapide. Ah, t'as fait celle-ci toi. Ouais, donc il y a plusieurs sortes de... Je vais faire ça, ouais. De courses ou de challenge quoi, t'as des trucs de... Quoi t'appelles ça, où tu fais du point avec des figures là. Du freestyle. Du freestyle, voilà. T'as du freestyle, t'as des courses, t'as des contrôles à montre, non?
T'as, si, bah, si, t'as des contrôles à monde, des hot laps. Ouais, voilà. C'est ce que tu as fait avant. Non, t'as fait une course toi avant. J'ai fait une course simple. Et là, je suis en train de faire une élimination. Donc voilà, là, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et le dernier candidat. Il est jarté, exclu jusqu'à arriver au vainqueur, quoi. Qui sera moi, bien évidemment. Ah, forcément, tout de suite, ce sera moi. Bah oui, parce que j'ai trop le skill de la flotte, tu vois. Le skill de l'eau, de la mort qui tue. C'est vrai qu'en tout cas, le jeu est vachement fluide, ça sert vraiment à un bon point. Ouais, il est très très rapide. Les musiques de ce jeu sont vraiment super cool. On va vous laisser un petit peu apprécier d'ailleurs, parce que cette musique est particulièrement cool, je trouve. Petit côté rétro et tout. Ouais, il y a un espèce de petit côté 8 bits, très sympathique. Allez, la figure qui tue. Wouah, c'était nul. Bah parce qu'on n'a pas beaucoup de figures de débloquer, donc c'est un peu dommage. Et là, je me rends compte que par rapport à ma session, les véhicules sont très très lents. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec les derniers engins débloqués. Quoi. Bah tu vois bien quoi, sur mes parties, t'as vu comment... En fait, vu qu'on a tous les skills de débloquer, tous les scooters, bah c'est à coup de nitro tout le long de A à Z et on va vraiment vraiment super vite. Ouais, là c'est pas possible. Là c'est trop lent. Fallait que tu joues sur mon PC, hein. Je t'avais dit que moi le jeu ça me tentait pas plus que ça. Donc... Bah, du coup j'ai été éliminé. Bye bye. Ah, je finis quand même 3ème, j'ai quand même une étoile, toi tu as fini 5ème. Non, pas encore. Hein? Alors là voilà, là on vient de débloquer des nouveaux points de skill, on a débloqué un point de skill, donc on va aller voir tout de suite dans la boutique de skill, je vais vous montrer un peu les boutiques. Donc là soit je peux choisir de m'acheter un nouveau boost, enfin pas un boost, c'est ce que je vais faire. Le boost nous permet, donc on a plusieurs niveaux à débloquer, et à chaque niveau on peut débloquer soit de l'agilité ou du boost, qui nous coûte plus ou moins cher, et des nouvelles figures. Donc il y a des figures, après pareil, plus on prend des figures difficiles, plus elles nous rapportent des points. Ouais, mais on ne peut pas les débloquer encore, on est que niveau 4. Ah, merde. Donc là, on va choisir une figure, un double front flip. Où il y a le double backflip. On va prendre le backflip, c'est plus stylé. Ok, bon, on va prendre ça. Et je vais vous montrer vite fait aussi, le donc pour les upgrades, donc là, je peux augmenter... toutes les caractéristiques de mon scooter jusqu'à la jauge maximum en fait grisée. Ce sera le maximum pour cet engin. Donc après là on peut switcher entre tous les engins qu'on a acheté. Bon là on en a que un. On peut faire les peintures aussi, ça c'est plutôt pas mal. On peut customiser jusqu'à 3 couleurs sur le scooter et 3 couleurs sur le... J'aime bien, c'est celui qui est dans le fond là. Le bonhomme. Celui qui est orange et noir là. Moi je me suis pris ce vaisseau parce qu'il est très équilibré et presque super rapide au maximum. Celui-là, il est trop beau le scorpion. Le dernier ? Ouais, mais moi je préfère celui-là. Il a de la gueule en tout cas. Oh, celui-là il a de la gueule. Moi j'ai pris celui-là parce que c'est vraiment le meilleur, c'est le plus rapide et le plus maniable. Il me fait penser à une Raymanta et son nom c'est Manta, ça. Donc c'est oui, pas mal. C'est un peu ça. C'est bien trouvé. Je vais enchaîner bon, ouais, avec une petite race. Après tu me laisseras faire un petit... Ah non, qu'on n'ait pas débloqué. Je sais pas si on a encore débloqué des freestyles. Ouais, je vais essayer de voir ça. Faudrait que je gagne la course aussi, ce serait plus pratique tout de même. Allez, boost à mort et tu me la gagnes en 2 secondes là. Ah, ça va être chaud. Alors là, cette course, la particularité de cette course, c'est qu'il n'y a pas de tremplin, mais il y a des vagues juste ici. Youhou. Et à la fin aussi, il y aura des vagues. Yeah. Et puis là, tu peux enchaîner, c'est pas mal. Bah du coup, ouais, ça permet de faire 2 sauts d'affilée, ce qui est plutôt pas mal pour gagner pas mal de boosts. Et ouais, voilà, les musiques sont vraiment super cool. Les musiques de jeu, il y a un peu de dubstep électro avec quelques sons un peu cheap, quoi. Bah, après, c'est vrai que le jeu était quand même relativement court aussi. Le jeu est court. Alors, un autre défaut aussi que j'ai trouvé, c'est que j'ai jamais réussi à faire une course en ligne. Il y a des succès à débloquer, notamment faire une course contre quelqu'un d'autre en ligne. Il y a tellement peu de gens qui le montent. À chaque fois que je me suis mis en ligne, j'attends et il n'y a personne qui... Bah en même temps, il est encore assez récent le jeu. Donc j'attends de voir, mais pourtant il est cool le jeu. Moi c'est le genre de jeu que j'aime bien. Donc je sais pas, en tout cas si vous, par le test, ça vous tente de prendre ce jeu, n'hésitez pas à me le dire, moi je viendrai faire des courses avec vous, on s'échangera notre pseudo Steam, parce que... J'ai envie de débloquer tous les succès. Oh, la première chute du test. Ah, c'est pas moi qui l'ai faite au moins. Ah, la décadence quoi, c'est horrible.
je me suis vautré quoi. Le truc qui est le limite le plus difficile à faire dans le jeu, j'ai réussi à le faire. Donc ouais, je parlais vite fait des succès, il n'y a pas énormément de succès non plus, mais des succès assez sympathiques, notamment un qui m'a fait bien marrer. À péter le pont hein. Ouais, péter le pont. Il y a un stage où il y a des petits ponts, et à un moment je me suis pris le pont en pleine tronche, je croyais que j'allais me vautrer. Et non, en fait le pont a explosé et ça m'a débloqué un succès. Donc pour ceux qui ont le jeu et qui veulent faire tous les succès à fond, pensez à péter le pont. C'est important. Hop, le petit boost qui va bien. Donc niveau des touches, hein, c'est simple. Gâchette de gauche accélérée, de droite, pardon. Gâchette de gauche freinée. Et une fois qu'on est en l'air, on fait des droites-gauche, tout ça. Oh, je finis 5ème, c'est dégueulasse. Par contre, ça peut aléatoire, ouais, t'as beau faire, tu fais droite-gauche, une fois après tu vas refaire droite-gauche au prochain saut, ça va pas forcément te faire la même figure que la première fois, donc c'est un peu space leur truc. C'est ça. Il faut absolument qu'on regagne des... Alors attends, on va améliorer un peu notre vaisseau, parce que... Dépêche-toi, parce que... le chrono tourne. Le chrono tourne, oui, mais il faut absolument qu'on... Hop, ça va être pas mal et on va rajouter un peu de boost, non ? Une maniabilité et un boost, voilà. Ah, parce que là, il faut qu'on redébloque des étoiles pour. Allez, fais voir, je vais en débloquer pour la fin. Bah dans ce cas-là, essaye de refaire, par exemple celle-ci, ouais, celle où il n'y a pas d'étoiles. Vas-y. Parce qu'il faut qu'on ait 20 étoiles pour débloquer les autres trucs. Et je ne finirai pas dernier. Alors moi personnellement je changeais pas de stage tant que j'avais pas toutes les étoiles. Normal. J'enchaînais. Et si, il y a quand même quelques petits bugs aussi dans le jeu, je tiens à le préciser. Alors des fois, la physique de l'eau est super bien faite. Elle est vraiment très très bien réalisée. On a vraiment l'impression que c'est de l'eau réellement. Or, vu qu'on ne peut pas tomber et que c'est très typé arcade, normalement on est censé, après un super gros saut, et mettons on retombe nez à l'eau, on est censé être éjecté du scooter, là on ne l'est pas. Donc des fois ça arrive que le scooter se mette à la verticale. Il reste à la verticale, il reste pendant 4-5 secondes à la verticale, donc ta course elle est foirée. Ou alors une fois ça m'est arrivé de passer à travers carrément un mur, parce que j'allais trop vite et puis en fait la hitbox du mur je l'ai un peu zappé par rapport à... C'est pas la fausse, t'as fait directement à la ligne d'arrivée. C'était une course chrono en fait. Et je galérais à chaque fois, à une seconde près, je perdais, je finis deuxième quoi. Et je voulais absolument ma troisième étoile. Et du coup, il y a un moment j'ai été éjecté, ça m'a sorti, je suis je suis tombé dans un bug, je suis dans le néant du jeu quoi. Et non. Et pof, ça m'a fait atterrir juste devant la ligne d'arrivée, j'ai fini premier, j'étais content. Donc ça c'était... Ah ouais, la grosse chatte, c'était plutôt cool parce que ça faisait quand même peut-être 5-6 fois que je la recommençais la course, ça commençait un peu à me saouler. Là normalement j'aurais dû me faire éjecter. Mais t'es pas trop mal là, hein. T'es 3ème. Ah non, t'es 5ème. Ah ouais, autant pour moi. Je croyais que. Je regardais juste au radar. Voilà. Je regardais le radar. C'est pas évident, on a vraiment un contre-jour nous sur l'écran. Vous l'aurez pas vous sur le rendu, bien évidemment. Hein. Mais. Vous savez même pas la chaleur. Il fait super chaud, c'est un truc de ouf. On est en train de mourir. Encore ça va, là. On est à l'ombre et tout avec l'arbre. Donc c'est plutôt cool. Mais c'est vrai qu'il fait super chaud, double backflip. Yeah, yeah. T'as trop le swag. T'as eu ça, le skill de ouf. Le skill aquatique. C'est ça, c'est le skill aquatique. Sans toucher les murs, yeah. C'est mieux généralement dans une course de pas toucher les murs. Je suis toujours 5ème, j'arriverai pas à les dépasser. Hein. C'est pas évident, faut vraiment bien améliorer ses vaisseaux et tout. Je sais pas pourquoi je dis vaisseau. Ce sont pas les vaisseaux. Ouais, non, dans Star Trek un petit peu. Ouais. Tu connais pas déjà Star Trek, tu fais des courses. J'ai jamais vu de course dans Star Trek. Mais les courses de modules, ça j'ai vu. Oui, dans Star Wars. Bon bah voilà, ça va être la fin. Une petite fois. Je vais faire un petit hot lap. Un petit chrono, on va essayer. Mais sinon, ouais, niveau course, il n'y a pas trop de courses non plus. Mais dans l'ensemble, c'est un petit jeu. Si vous avez en gros, une dizaine d'euros du coup. À dépenser parce qu'il est plus en solde. Moi je vous invite à le prendre, toi je sais pas. Mais... Moi c'est pas ma tasse de thé quoi. Mais après, pourquoi pas pour ceux qui aiment ce genre de jeu. Pour ceux qui aiment ce genre de jeu, oui. Conseillerais après, ou pas moi je suis pas fan de ce genre de jeu. Donc, mais si ceux qui aiment bien, il est fluide, t'as de la vitesse, tu peux faire des figures. Non, il est sympa, se prend quoi. Très bien en main en tout cas. Il se prend bien en main. Mais après, faut aimer quoi.
Oh non, mais non, mais la deuxième vôtre. Ah, j'ai essayé de... Bah attends, red start direct, hein, parce que là... Ouais, là, je crois que t'abuses un petit peu, par contre. Ah bah non, bah, sinon, le hot lap, il était foiré. C'est pas possible, faut pas que tu tombes une seule fois, c'est dans les... Ah, mais tu... Dans si les chronos. Si tu retombes, c'est mort, hein. Ouais, ouais, déjà ouais. À 15 minutes. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Elle est sympa, cette figure, j'aime bien. Elle est sympa. C'est assez stylé. Et voilà, c'est il est passé. Double backflip à ras le... J'ai du mal à voir. À ras l'eau. Ah, mais moi non plus, j'ai trop de mal à voir. Alors vous devez nous voir froncer les yeux là. Un truc de ouf. Mais en même temps, on voit pas super bien l'écran. Donc... C'est du un tour ça. Hop, hop, hop. C'est du un tour. C'est du un tour. Donc tu dois faire moins d'une minute, un truc comme ça. Bah c'est selon la taille du tour quoi, ils font généralement quand tu gagnes t'arrives pas à moins de 2 ou 3 secondes, c'est quand même assez serré. Ouais. Alors il est pas si évident pour finir le mode carrière à 100%, c'est pas si évident. Là tu vois, genre là je suis deuxième, tu vois, c'est dommage. Hein. Moins d'une minute, je te l'avais dit. Ah c'est dommage, c'est dommage. Mais bon, je gagne 2 étoiles, c'est déjà pas mal. Ouais, puis bah, je pense qu'on va se quitter sur ton gain d'étoiles. Ouais, je t'invite à faire la fin le temps que je relance une dernière petite course, quoi. Bah les amis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du jeu, du si jeu, ça vous ouais. plaît, si vous êtes comme moi un petit peu, comment on dit Bah pas trop fan de ce genre de jeu, tout ouais, simplement. Ouais, pas trop fan, un peu mitigé. Et puis sincèrement, ouais, si vous prenez le jeu, n'hésitez pas dans les commentaires à nous laisser votre pseudo Steam. Moi, je serais enchanté de jouer avec vous parce que moi, je le trouve cool et j'attends de trouver du monde pour jouer sur Internet. Parce que j'ai trop envie de mettre la pété à quelqu'un là. J'ai des vaisseaux améliorés à fond et tout, tu vois. C'est pour ça. Donc voilà. Oh, le saut qu'il a fait lui. Ouais, il... je vais le doubler vite fait là. Bon bah sur ce les amis, n'hésitez pas à laisser des petits pouces, des commentaires, à partager, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouvera du coup, je vous retrouverai lundi pour un nouvel épisode de Duke Nukem Forever sur PS3. C'est ça, quant à moi, je vous retrouve mardi en compagnie de Morgan pour la cave à jeux entre... Alors ce sera soit Sonic Spinball, soit Jurassic Park. Jurassic Park sur Mega Drive. Voilà. À vous de choisir. À vous de choisir. Ah ouais, donc voilà. Donc moi je vous dis à mardi les amis. Ciao ciao. À lundi.